Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de ce week-end. Donc ce sera le samedi 18 et le dimanche 19 mai. Euh, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai pris un petit axolotl, je trouvais trop mignon. Je vous ai acheté euh, bah, quelques petites figurines pour mes guidances, un petit, un petit lot je trouvais ça trop mignon. Le petit euh, narval, trop mignon aussi. Et le petit crocodile. Regardez comme il est mignon aussi celui-là. Voilà, trop chou. Donc vous faites votre choix entre où. Un des trois objets, on ne le voit plus. Pour les jeux qu'on va utiliser, on va tirer une pile de ma belle Cricri de l'oracle graphite. L'oracle des secrets de ma belle Iris, l'oracle Ro J'ai pris les prédictions des chibis de ma belle Christelle, les oracles de Cricri. J'avais trop envie de prendre l'oracle carte au trésor guidance du pirate de Bruno. Ici, vous allez me dire, vous ne savez pas ce que c'est. Eh ben non, vous ne savez pas ce que c'est. J'ai mis euh, l'oracle, le message du Valala dans ce pochon-ci, parce qu'en plus, euh, je trouve qu'il était bien destiné. Voilà. Euh, je trouve trop beau. Euh, c'est un, un pochon qui venait. Euh, de chez euh, les oracles de velours je sais pas du tout Margot si elle fait encore euh, des pochons voilà je crois qu'il était fait pour lui et euh, ici on va prendre le tarot de ma belle Karine de la connexion mystique j'ai trop trop hâte que son oracle arrive bon par contre j'ai enlevé la carte de présentation parce qu'avec ma chance c'est encore celle-là que je vais tirer voilà Zou donc je vais juste mettre le pochon ici Youp, mais c'est même pas encore un pochon comme ça que je voudrais. Je vais regarder pour euh, chez Brindel, je pense, pour me prendre une pochette plutôt euh, plutôt rigide. En fait, j'aime moins ceux-là où ça gigote, mais un peu ce style-là. Euh, mais du coup, adapté à celui-là. Voilà, <laughs> dit qu'il est il a un format particulier avec ses cartes. Carré. ailleurs j'ai tiré celle là figurez vous euh, et euh, je me dis tiens ah, oh, chouette la maladie voilà oh, pas très cool et au soir j'ai eu des vertiges je me dis ah bah ben, déjà celui là il est vraiment euh, en plein dans le mille quoi alors ici lui là son pochon hein. j'adore ce pochon euh, perso avec la, la carte au trésor lui j'adore aussi je trouve qu'on a eu tellement mais tellement déjà de magnifiques oracles cette année euh, des autos publiés euh, que franchement on est gâté vraiment alors les chibis ben, comme d'hab j'enlève les horoscopes à chaque fois je me dis euh, tu devrais peut-être les enlever pour enfin bon en même temps c'est pour gagner deux secondes hein. vous êtes habitués euh, ceux qui n'aiment pas mon blabla je suppose sont déjà partis depuis longtemps hein voilà. Ah, ben on a le oui qui revient de la dernière fois. Hop. Et en plus, Brindelle, elle fait des pochettes. Euh, si vous voulez, vous glissez le jeu dedans et alors il y a un rabat que vous dépliez et euh, ça se met en longueur comme ça pour déposer, pour faire un tirage en trois quarts, Je trouve ça super chouette en fait. Voilà. Mais euh, bon, là j'ai plus tout, donc ça attendre Euh, ouais, bah, non, non, non. J'allais prendre d'abord l'autre, mais non. moi j'ai envie de commencer avec celui-là. Ah, et je suis trop contente ah, de ces figurines que, que je vous ai prises. Elles sont trop mignonnes. Je suis en a une dizaine. J'adore les axolotes, je trouve ça tellement mignon. Bon, j'ai oublié les piles, c'est pas grave. Comme d'hab, on va d'abord faire euh, celle-ci. Wow, chouette. Je l'aurais bien remis dans le paquet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. <laughs> Malheureusement. Exidemment. Toc toc toc. Voilà. Bon. J'ai vu que l'oracle rouge il travaillait sur une, euh, une réimpression. Bon, par contre, je ne sais pas où je vais les mettre. Mon fils m'a mis un aquarium maintenant avec son poisson rouge. Là où je mets mes cartes d'habitude, ce qui fait pas trop mon affaire, en fait, du coup. Pas grave. Je vais mettre tout en hauteur. Si vous entendez, boum. C'est que tout est tombé. Bon, on va prendre les piles du coup. La première, ça a sorti à la couleur de l'axoloto. Je crois que ça se dit même pas axoloto mais axolot, mais c'est pas grave. Hop, j'en ai deux, j'en prends qu'une. Et voilà. Et j'ai trouvé ce magnifique petit chat noir en bois. Je trouve trop mignon. Ça n'a rien à voir avec le sujet mais c'est pas grave. Bon, l'oracle des secrets. Hop, hop, hop. Sinon, bah, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, on est dans la flotte intégrale. Il pleut, il pleut, il pleut. On annonce encore toute une semaine de pluie. En plus, on a des orages, mes amis. Euh, franchement, euh, et ma maman me disait ce matin, mon Dieu, on est déjà, euh, on est déjà euh, au mois de presque au mois de juin, quoi. Il y en a encore rien eu, quoi. Rien de la pluie. J'espère quand même qu'on aura un été correct. Quoi. Enfin, voilà ma petite histoire. Les vacances, les grandes vacances approchent. Oula Mes chibis qui s'échappent. Ah oh oui. Je verrai si je vous fais euh, la vidéo 3 de ma collection. Peut-être pour dimanche après-midi. C'est un chouette programme, je trouve, le dimanche après-midi. Euh, quand on est cosy comme ça, euh, de se faire une petite guidance. Qu'est-ce que je prends d'abord Allez. Message du Valhalla. Ce jeu, c'est alors là, mais je l'aime tellement. Je crois qu'il va être attitré aux guidances, au même titre que l'euro, ah, que les chibis ou le graphite. Oh, bah, décidément, euh, je crois qu'il va rester celui-là toutes les semaines pour toutes les guidances. Je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Je suis contente de l'avoir pris en double comme ça. Je peux user celui-ci j'en aurai toujours un neuf. Et pour tous ceux euh, qui n'ont pas su se le commander, euh, il en a recommandé une centaine. Donc ne vous inquiétez pas, il y en aura euh, de nouveau. Hein. Voilà, mais euh, je, bah, dès que je l'avais aperçu, je savais que j'allais aimer ce jeu. Voilà. zou. Je pensais lui faire, figurez-vous, les tranches noires. Eh bien, je vous le déconseille. Parce que j'ai essayé. Euh, vous savez, on a tous eu quasiment une carte en double dans le jeu. Et moi, j'avais eu celle-ci en clair. Et je m'étais dit, euh, je n'étais vais... pas sûre, sur, euh, comme le fond est noir, hein, que sur les cartes blanches, ça n'allait pas justement baver. Donc j'ai testé sur la carte et euh, je suis bien passée sur le bord. Et ça... le papier a complètement aspiré le noir. Et voilà ce que ça fait. Donc je vous déconseille euh, de faire les tranches en noir. Si vous ne voulez pas avoir un jeu euh, à la poubelle. Voilà. Donc j'étais contente d'avoir la carte en double pour pouvoir tester. Les guidances du pirate, j'aime beaucoup aussi. Hop, hop, hop. J'ai encore un tarot qui doit arriver aussi. Euh, non, on va la prendre. Il n'y en a qu'une Non, il y en a deux. On va prendre celle d'un tout. Euh, un tarot qui doit arriver, euh, qui est arrivé de Kickstarter est trop beau aussi. Il me fait vraiment penser euh, au Lightyear. Au Lightyear tarot. Hein. Un petit air, c'est trop beau. Je vous le présente aussi bientôt. J'ai reçu euh, l'oracle du manoir de l'élébor noir aussi, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Le livre est incroyable, franchement. Donc ça, je vais aussi vous le présenter. Il y a plein de jeux aussi que j'ai reçus, enfin reçus que j'ai achetés. Euh, certains encore sont une tête. Il y a deux dextini qui sont arrivés que je dois encore vous présenter aussi d'ailleurs. Un peu et des livres. Alors là, euh, oh, 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 j'en ai beaucoup. Là, il va falloir que je fasse quelques vidéos de livres. parce que quitte à mettre deux vidéos par jour, parce que ça s'accumule. Voilà, suis aussi Qu'est-ce que je l'aime Mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir son oracle Oh là là, le, allez le, celui qu'elle a retravaillé. Oh, je crois qu'elle l'a envoyé à l'imprimeur d'ailleurs. Tiens, j'ai le 3 qui est resté sous le côté, je sais pas pourquoi. Bon, soit. Bon, je vais zoomer un peu maintenant qu'on a tout bien fini. Voilà, et on va commencer, vous voyez, non, je suppose que... Si je... Oui, mais non, oui. On va commencer avec ceux qui ont choisi euh, l'Axolot. Ah, la fidélité, elle était déjà sortie, celle-là, euh, la semaine passée ou le week-end passé. Bon, là, il y a peut-être une histoire. Bon, ça peut être fidélité en amour, ça peut être fidélité en amitié. Ça peut être plein de... dans plein de domaines. Par contre, du coup, on avait la dague qui avait sauté. Euh, pff, avec la fidélité, c'était un peu bizarre. Hein. Euh... Du coup, ce serait, on, je sais pas si on pourrait dire un ami. Euh un ami qui nous aurait, non, pas un ami qui nous aurait trahi. Plutôt, moi je dirais euh, peut-être rester fidèle à vous-même et euh, faire le bon choix par rapport euh, peut-être à certaines personnes qui vous ont fait du mal. Je le verrais plutôt comme ça. Vous êtes peut-être arrivé à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre des décisions, faire un choix par rapport euh, toujours à ces personnes qui vous ont trahi et on vous dirait peut-être d'être fidèle à vous-même pour prendre vos décisions. Voilà. Je ne sais pas ce que, si c'est très clair. Ah, bah voilà. La mort, avec la fin, l'achèvement. Euh, bah ici, clairement, euh, il est temps, je pense, de clôturer euh, certains chapitres, de laisser derrière soi euh, bah, certaines personnes, de faire les bons choix pour euh, continuer votre vie sans ces personnes, je dirais. On a vraiment l'idée ici euh, d'abandonner certaines choses pour en recommencer de nouvelles. Voilà. Donc, tout ça colle très bien ensemble. Qu'est-ce qu'on avait pris Ah oui, les chibis, celle-ci avait sauté. Le jugement et le verdict, ben, ça va bien avec le reste, hein. avec l'idée, euh, je dirais que vous, ça va bien avec le choix aussi, hein, que vous allez peut-être devoir maintenant trancher et ben, prendre votre courage à deux mains et prendre un, une décision, euh, pr faire un choix par rapport à ces personnes, ou alors ça pourrait aussi être euh, ben, la fin euh, d'une relation avec une personne qui vous aurait trahi, qui vous aurait fait du mal, euh, et du coup ça pourrait aussi être... Euh, une décision de justice qui viendrait clôturer justement euh, bah, ce cycle voilà peut-être que vous avez dû porter plainte qui sait et euh, c'est peut-être passé en justice et vous allez peut-être recevoir bah, le verdict et du coup bah, ça va mettre euh, ça va clôturer euh, bah, cette mauvaise expérience voilà et euh, bah, du coup vous aurez euh, un choix à faire ou alors c'est plutôt vous qui allez devoir faire un choix et prendre une décision euh, par rapport au fait de, de clôturer avec cette personne alors, le Valhalla, ah, nous parle de fées avec la magie, l'intuition. Euh, bah, peut-être ici euh, qu'on vous dirait euh, bah, que maintenant que tout ça est derrière vous, euh, que vous allez peut-être recommencer un nouveau chapitre de votre vie, euh, peut-être d'essayer de le rendre un peu plus euh, agréable, de mettre un peu de magie dans votre vie, euh, de voir peut-être plus les belles choses aussi, euh, et peut-être aussi d'écouter cette petite voix euh, en vous qui sait ce qui est bon ou pas, parce que souvent. Euh, on le sent arriver quand quelqu'un euh, n'est pas honnête, hein, mais parfois on fait taire cette petite voix parce qu'on n'a pas envie d'y croire, tout simplement. Euh, donc peut-être prêtez euh, plus attention euh, à votre petite voix intérieure. Voilà. Alors on a quoi maintenant L'évidence du pirate avec la piratesse. Du coup, ça pourrait être une femme. Soit c'est une femme qui vous a trahi, euh, qui vous a fait du mal, et euh, bah, c'est peut-être cette femme-là qu'il va falloir, euh, bah, entre guillemets, dégager de votre vie. Hein. Euh, ça peut. Ça pourrait, avec la fidélité, quand même être euh, quelqu'un qui était assez proche de vous, une amie peut-être, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, euh, on a l'idée euh, que ça va se terminer. Et euh, la piratesse, ça peut être vous aussi. Hein. Vous pouvez, ça peut être la consultante. Donc, ça peut euh, vous euh, représenter également. Mais en tout cas, il va falloir euh, bah, tourner la page et essayer de retrouver euh, un peu de joie et de bonheur dans votre vie. Ah, ben, bah le 9 de coupe, avec bonheur et veut réaliser. J'adore cette carte avec ce. On voit sur sa tête, il veut bien faire le focus, qu'il est tout content, il saute de joie. Euh, et du coup, bah je pense que si vous arrivez à passer au-dessus de tout ça, à clôturer le bazar, entre guillemets, euh, à remettre un peu de magie dans votre vie, de vous faire des petits plaisirs, de voir le bon côté des choses, bah vous allez aller, euh, en tout cas, vers le bonheur, hein. Euh vers la joie et vous n'allez pas le regretter en tout cas. Voilà. Hum, pour ceux qui ont choisi l'axolot. On va passer à ceux qui ont choisi le narval avec les paroles. Du coup, il y aura peut-être des discussions. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de faire briller. Des discussions, euh, des paroles. Euh, bon, on verra avec le reste du tirage si ce sera bon ou mauvais. Ah, mais ben ici, on a le secret et la célébration. Euh, bah, du coup, ici, finalement... Euh, les paroles, ça pourrait peut-être être attention euh, de faire attention euh, à vos paroles, justement, à vous dire. Peut-être qu'il y a certaines choses euh, qu'il faut euh, peut-être garder secret, même si euh, ce sont des choses qui vous mettent en joie, qui vous donnent envie de, de célébrer, de faire la fête, de le crier sur tous les toits. On vous dirait ici quand même que bah, pour le moment, euh, c'est mieux de garder ça secret. Voilà, donc euh, les paroles, hein, ça peut être les paroles à tenir en secret. Ici, on a l'aîné avec aïeul, ancien et autorité. Euh, du coup, ça pourrait, euh, ça pourrait être quelque chose qui concerne soit une personne plus âgée, euh, peut-être quelque chose à fêter, peut-être un anniversaire par exemple, qui se préparait hein, et que bah, ce serait une fête secrète, pourquoi pas euh, ou alors, euh, l'aîné, ça peut aussi être euh, la sagesse. Donc, on vous dirait peut-être ici de faire preuve de sagesse et euh, de garder ça secret encore un petit moment, même si vous, vous avez vraiment envie de fêter ça. Euh, c'est peut-être pas encore le bon moment pour le crier sur tous les toits. Voilà. Donc, il vaut peut-être mieux euh, encore garder ça un peu pour vous. Bon, c'est pas toujours facile. Hein. Ici, on a les monstres et les peurs. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait dire Qu'il y a peut-être euh, bah, des personnes. Euh des personnes dans votre entourage qui pourraient peut-être euh, bah, faire euh, capoter un petit peu euh, euh, le, le projet ou du moins euh, ce qui vous arrive que vous avez envie de célébrer. célébrer. Ou alors ça pourrait aussi vouloir dire euh, que vous avez peut-être encore peur de, bah, de certaines choses, peur que ça rate, peur que ça ne se passe pas comme vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que vous avez encore envie de garder ça secret euh, jusqu'à ce que vous soyez sûr et certain que vous n'ayez plus peur euh, que ça foire. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, c'est peut-être ça, le fait de, de faire preuve de sagesse. Vous avez peut-être encore peur euh, bah, qu'il y ait des, des choses qui arrivent et que ça ne se passe pas comme prévu. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous décidez euh, de garder le silence. Ici, on a la mère. Euh, du coup, la mère, avec le côté, euh, bah, le côté maternel, ça pourrait, du coup, euh, ça pourrait euh, représenter... Euh, euh, soit, euh, bah ici, moi, je ne sais pas pourquoi, je le verrais bien euh, comme l'idée euh, d'une grossesse, je sais pas pourquoi, euh, qu'on qu aurait appris et bah, qu'on aurait peur peut-être qu'elle qu se passe mal et du coup, on aurait peur de l'annoncer autour de soi et de fêter ça et on préférerait garder ça secret, comme on dit parfois, hein, les trois mois, euh, ou alors euh, ce serait quelque chose qui aurait à voir euh, avec votre côté euh, maternel, avec bah, la mère, tout simplement. Hein. Euh, le côté maman, euh, peut-être que vous avez des choses euh, dans votre côté de mère qui, 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 enfin, qui arrive et euh, bah du coup des choses que vous avez peut-être envie de fêter, voilà, tout simplement. Mais peut-être que vous gardez ça encore secret. Ça peut être une fête secrète aussi, comme je vous ai dit. Hein. Allô, euh, j'adore cette carte. Enfin, je les aime toutes. Le pirate nous parle d'éloignement. Euh, du coup, que ça pourrait dire. Euh, bah, peut-être que vous avez peur, euh, peut-être peur qu'une personne s'éloigne, on pourrait dire ça, euh, ou alors peut-être que vous faites preuve de sagesse et vous vous rendez compte euh, qu'il faut peut-être prendre un peu de distance par rapport à certaines personnes euh, et que ça pourrait être euh, bah, le fait d'avoir réussi à vous éloigner. Euh, euh, peut-être que vous le faites euh, en silence aussi, sans rien dire, discrètement. Voilà. Peut-être que vous, vous arrivez à prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Et euh, bah, vous faites peut-être ça discrètement, euh, sans trop le crier sur tous les toits. Euh, et ce serait peut-être quand même une victoire pour vous euh, bah, d'arriver à prendre de, de la distance euh, par rapport à cette personne. Mais du coup, on a toujours la mère ici qui est là. Euh, ça pourrait être du coup dans, dans votre entourage de maman, hein, qui aurait peut-être une personne euh, envers qui vous avez envie de vous éloigner. Voilà. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de sagesse euh, et euh, vous allez euh, peut-être pas le crier sur tous les toits et faire ça plutôt discrètement. Et ici, si on a bah, l'impératrice, justement, ce marrant avec la carte de la mère. Je pensais justement euh, bah, euh, à, à la carte de l'impératrice de avec le côté euh, abondance et créatif aussi, du coup. Donc, ça pourrait aussi concerner euh, un projet créatif. Peut-être que vous avez... Euh, un projet créatif qui est en cours, que vous avez peut-être que vous êtes en train de lancer, et du coup vous avez envie de créer sur tous les toits, mais on, vous le gardez peut-être encore secret, parce que vous avez peut-être peur, par exemple, qu'on pique vos idées aussi. Et euh, bah du coup euh, Du coup, voilà. Donc ici l'impératrice, la mère, pour moi, hein, c'est un peu la même chose. Hein, euh, ou alors ça peut représenter aussi euh, l'abondance. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous avez... Euh, ça pourrait être euh, de recevoir de l'abondance dans, dans votre vie aussi. Et, euh, en tout cas, quelque chose qui vous donne envie de le fêter et euh, bah, peut-être que vous le gardez secret euh, parce que vous avez peur que certaines personnes aussi pourraient s'éloigner euh, par jalousie. Pourquoi pas mm -hmm. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le crocodile avec... Ah, j'ai oublié la pilce. Protection, on l'avait déjà eu celle-là avec le parapluie aussi, tiens. Et ici on a ah, l'entrave et le jeune homme. Euh, ici, euh, je dirais, il euh, y a peut-être, euh, ça pourrait être un jeune homme qui, bah, qui vous donne du fil à retordre ici avec l'entrave, ou alors un jeune homme qui, ça peut être un enfant ou quelqu'un que vous connaissez qui est un peu bloqué euh, dans une situation. Voilà. Euh, mais en tout cas, vous avez, la protection est là, donc je pense que ça devrait s'arranger, mais ici, c'est peut-être ce jeune homme qui, qui se sent un peu bloqué euh, dans une situation. Alors, ici, on a surprise, inattendu, imprévu et cacheterie. Euh, du coup, euh, ça pourrait être euh, bah, suite à un, un événement imprévu hein, que, que ce jeune homme se retrouverait un peu euh, bloqué, un peu... Il sait peut-être plus comment euh, se dépêtrer euh, d'une certaine situation. Euh, C'est peut-être vous qui allez devoir euh, bah, lui apporter aide et protection s'il veut bien faire son focus. Euh, ou alors, ça pourrait aussi être un, le jeune homme qui, qui vous fait des cachoteries parce que justement, euh, il ne sait plus trop comment euh, se sortir d'une situation. On va voir la suite avec les chibis. Euh, le, les discussions et le partage. Euh, peut-être que vous allez avoir jusqu alors euh, des discussions. Euh, avec ben, ce jeune homme, hein, par rapport euh, peut-être euh, à une situation bloquée, il va peut-être se tourner vers vous pour euh, en discuter. Euh, il y a peut-être eu un imprévu qui, qui s'est passé, et du coup, euh, il ne sait peut-être plus trop comment, euh, comment s'en sortir, comment faire avancer euh, ben, la situation, et du coup, il va peut-être se tourner vers vous pour euh, en discuter. Voilà, peut-être qu'il se sent protégé avec vous, et il va peut-être vous demander euh, conseil, tout simplement, par rapport euh, à une certaine situation. Ici, on a l'homme, donc clairement, on a l'homme et le jeune homme. C'est marrant, on a l'homme et la mère. Euh, bah, du coup, euh, bah, je pense que ce sera euh, clairement euh, une personne euh, masculine, du coup, avec ça. Elle est belle aussi, celle-là. Alors, le pirate nous parle de protection divine avec ce magnifique Poséidon. Euh, du coup, euh, bah, c'est marrant, oui, d'ailleurs, parce que la protection, elle sort deux fois. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, euh, bah, la personne, enfin, euh, euh, la situation va se débloquer, euh, vous avez la protection. Voilà. Il faut peut-être pas trop vous en faire, mais peut-être discuter pour arriver euh, à trouver euh, un, imprévu, euh, un imprévu, une solution. Euh, parce que c'est vrai que parfois on a des imprévus, on est vite dépassé euh, bah, parce qu'on ne sait plus euh, comment s'en sortir. Et c'est vrai que si on en discute euh, avec des personnes parfois qui ont plus d'expérience, euh, bah, on peut du coup. Euh, trouver une solution. Voilà. Alors ici on a le 8 d'épée avec restriction et se sentir piégé. Donc ça va bien avec ça aussi avec le fait que je vous ai dit que ce jeune homme se sentait bloqué, euh, il se sent piégé dans une situation et il sait plus comment euh, s'en dépêtrer, mais euh, je pense que vous allez euh, lui prêter une oreille et discuter avec lui euh, peut-être pour trouver une solution. En tout cas, euh, la protection est là donc je pense que ça devrait se s'arranger. Voilà. Voilà, ben je trouve que toutes les cartes vont bien ensemble. Voilà pour cette petite guidance pour ce week-end. J'ai encore pris mon temps, je vois 23 minutes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous